Le Festival des Arts Numériques, le FAN 2015, organise cette année sa 10e édition, le 5 et le 6 juin au siège de l'UTICA à Tunis et le 7 juin au siège de Netinfo à Montplaisir, à Tunis, la capitale. Alors, sous la thématique de l'industrie créative numérique, moteur de l'économie et de l'emploi. C'est dans le but que la Tunisie soit un hub pour l'industrie créative en Afrique. Alors, le FAN, il est organisé par l'association Créatech en collaboration avec le ministère d'Éthique, l'Infotica, l'Alexo, CNCI et sans oublier le leader mondial des logiciels 3D Autodesk via Netinfo. La particularité de cette édition est la présence de 12 pays étrangers, dont l'Inde, le Liban, la France et le Cameroun. Cette année, le FAN se base sur 5 activités principales qui sont la compétition 3D AfriCamp, les masterclass, les ateliers, les conférences et les expositions. En ce qui concerne la compétition, c'est la compétition de 3D AfriCamp. Alors, la thématique, c'est « Culture inspires our design ». C'est dans le but de rapprocher l'utilisation de l'outil informatique d'actualité en relation avec nos cultures. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la compétition, elle aura lieu au cœur de l'exposition des professionnels. Donc, d'une manière ou d'une autre, même les étudiants et les amateurs sont en train d'exposer leurs travaux d'une manière directe, ce qui pourra créer une bourse d'emploi en direct entre les professionnels et ceux qui sont intéressés par le travail. Alors, sinon, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site createch.tn et n'oubliez pas, soyez nombreux.